6-9 la matinale, matin sport. Sport. Avec l'équipe nationale qui est à Sédémoussa pour le stage. Et c'est en prévision du match face au Togo. Pour les éliminatoires de la Cannes 2025. Est-ce que j'ai bien appris la leçon Super, très bien, <laughs> parfait. 10 sur 10. Les verts qui ont effectué Il faut hier faut soir. Je veux juste dire que j'ai dit sans lire. Hein oui, ouais, c'est bah, très bien. En plus, c'est très bien. Les verts qui ont effectué hier soir leur seconde séance d'entraînement, axée principalement sur l'aspect technico-tactique. La bonne nouvelle est que l'ensemble des joueurs étaient présents, excepté Hadjam et le nouveau, le nouveau joueur en sélection nationale, Maza, qui se sont entraînés en solo à la salle de gym. La séance d'entraînement a été précédée par une zone mixte où 5 joueurs se sont présentés devant les médias. En plus de Badradine Bouanani et Ahmed Touba, il y avait également les trois nouveaux, à savoir le latéral droit de Alger Saadi Douani, le portier du CS Constantine, Zakaria Bouhalfaya, ainsi que le joueur du Hertha Berlin-Bahim Maza, qu'on va justement écouter, lui qui parle de cette première sélection chez les A. Il répondait aux questions de Ali Hamouche. J'étais très heureux. Je n'arrivais pas à y croire en recevant la convocation et je devais faire le choix entre l'Algérie et l'Allemagne et en regardant l'équipe, l'ambiance. J'ai discuté avec ma famille et mon manager pour choisir l'Algérie. Je suis heureux d'être ici. Mes coéquipiers m'ont très bien accueilli, ils m'ont fait comprendre que si j'avais besoin de quoi que ce soit, ils seront là. Mes objectifs sont d'aider l'équipe nationale de se qualifier en Coupe d'Afrique, la gagner. J'espère aussi se qualifier pour la prochaine Coupe du monde. Baye ambitieux avec la sélection nationale, tout comme le portier du CS Constantine, Zakaria Bouhalfaya, toujours au micro d'Ali Hamouch. Être en sélection est un rêve qui se réalise. Maintenant que je suis là, je sais que je dois redoubler d'efforts pour espérer durer en équipe nationale. On travaille à présent pour un seul but. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous attend. On aspire à gagner les deux prochains matchs pour assurer notre qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et autre nouveau joueur en sélection nationale, c'est le euh, latéral droit de l'USMLG, Alger, Adi Ardouani qu'on écoute. Ma convocation en équipe nationale est la preuve que mes efforts en club ont été récompensés. À présent, j'ambitionne d'apporter le plus qu'on attend de moi et gagner la confiance du sélectionneur. En ce qui concerne nos deux sorties face au Togo, elles sont d'une grande importance, surtout qu'on espère arracher le plus tôt possible notre qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais on doit d'abord penser au premier match de ce jeudi où il faudra assurer les trois points chez nous. On comptera bien évidemment sur l'appui de nos public et j'espère qu'on sera à la hauteur de leurs attentes et qu'on les rendra heureux et je rappelle que les vers s'envoleront aujourd'hui à 11h à destination de Hanabo. Ils effectueront dans la soirée leur dernière séance d'entraînement d'avant-match. Quant à l'adversaire du jour, le Togo, il est également attendu aujourd'hui après mini-stage en Tunisie-Algérie-Togo. Ça sera donc ce jeudi à 20h au stade 1956 à Une rencontre que vous pourrez bien évidemment suivre en direct sur nos ondes. Un adversaire que les Verts affronteront lundi prochain, le 10 octobre, à Lomé à 17h heure algérienne. Et puis, qu'on parle du Togo, les dernières nouvelles de le 14 octobre, octobre. à puisqu'on parle du euh, Togo, les dernières nouvelles euh, de l'adversaire des Verts, le gardien international togolais Geoffrey Agbolosu blessé au genou lors de la première séance d'entraînement des Éperviers a déclaré forfait pour cette double confrontation face euh, à l'Algérie euh, lors de la séance d'entraînement effectuée euh, hier matin. Geoffrey Agbolosu s'est blessé au genou. L'IRM effectuée dans la foulée dans un centre hospitalier de la capitale tunisienne a révélé une lésion méniscale externe complexe avec de ces segments moyens et postérieurs au niveau. Euh, donc du genou, une prise en charge chirurgicale est recommandée pour le portier du FC Balagne en France. Il est ainsi forfait pour ses euh, deux prochains matchs face euh, à l'Algérie. Le sélectionneur du Togo, euh, Nibombe Daré, a décidé de convoquer Mahdiou Sama de Lascokara euh, pour remplacer Geoffrey euh, Agbolosu, Daré Nibombe qui a dû composer avec plusieurs absences, hein, dont l'attaquant Del Ain euh, Kojo Fodolaba, les défenseurs Josué. Euh, Omaou, Kennedy Boateng et Loïc Besslier également blessés. Et on reste avec le foot Rostam Yahya avec ses plusieurs sanctions qui ont été infligées au club de Ligue 1. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel a infligé un match à huis clos à l'entente de Sétif pour G de fumigène sur le terrain sans dommage physique lors de la réception du NC Magra à vendredi pour le compte de la troisième journée du championnat national de Ligue 1. La direction de l'entente devrait s'acquitter d'une amende de 200 000 dinars. Lors de sa réunion du lundi, la commission de discipline de la ligue de, de football professionnel a traité d'autres affaires des rencontres de la troisième journée par ailleurs la ligue de football professionnel a infligé une suspension d'un match ferme au joueur de la JS Aurora Raza Abdelkader exclu pour cumul de cartons lors du match euh, face euh, du match perdu face à l'Olympique Arkoub de son côté l'entraîneur adjoint de l'US Biskra Lotfi Bouddah est suspendu jusqu'à son audition pour, euh, par la commission le jeudi 10 octobre pour euh, conduite incorrecte de l'équipe qui a été sanctionnée d'une amende de 40 000 dinars en plus d'une mise en garde et une amende de 100 000 dinars pour utilisation de jets de fumigène sur le terrain sans dommage euh, physique, et une troisième, euh, troisième amende de 100 000 dinars pour mauvais comportement des supporters envers les arbitres euh, de la VAR. Et à propos de la Ligue 1, Mouloudia d'Alger MC Oran pour le compte de la quatrième journée prévue initialement samedi 12 octobre, reportée au dimanche une première fois 13 octobre, pour finalement programmer et avancer à vendredi euh, 20, euh, 11 octobre à 20h. Donc Mouloudia d'Alger MC Oran, ça sera ce Vendredi 11 octobre à 20h30 au Nelson Mandela. et Il y a eu deux matchs reportés Espérance de Mostaganem USM Alger et Soshlef USM Khrinchla, reportés à des dates ultérieures en raison de la participation des joueurs de ces équipes euh, lors des éliminatoires de la Cannes 2025. Autre information Rostom avec le CSA Mouloudia d'Alger qui a élu son euh, nouveau président, c'est ça Mohamed Khaldi qui a été élu nouveau président du club sportif amateur du Mouloudia d'Alger lors de l'assemblée générale élective tenue hier mardi à Alger. Le nouveau président du CSM Oudia d'Alger a obtenu 22 voix des 23 membres votants de l'Assemblée Générale Élective. Mohamed Khaldi occupe depuis le 14 janvier 2024 un bureau provisoire composé de 6 membres. La mission de Mohamed Khaldi était d'assainir la composante de l'Assemblée Générale dans le but de préparer l'Assemblée Générale Élective dans les meilleures conditions et pouvoir régulariser la situation administrative et juridique du club. Pour rappel, Khaldi cadre au sein de la société pétrolière se la traque ancienne médaille d'or du 5000 m aux jeux méditerranéens de Tunis en 2001 avait aussi présidé la section d'athlétisme du Mouloudia d'Alger. Et on continue d'enchaîner avec un sport dont on ne parle pas beaucoup Rostom les sports de boules. Le championnat d'Algérie de boules lyonnaise se tiendra ce week-end. Ça sera à toute catégorie filles et garçons qui aura lieu vendredi au boulodrome de Ksaoul-Boukhari à Médéa. Cette manifestation sportive d'une journée organisée par la Fédération algérienne de sport de boules en collaboration avec le club OCB Ksaoul-Boukhari et la Ligue de la Wilaya de Médéa des sports de boules verra la participation de plus de 70 joueurs filles et garçons représentant 12 ligues de Wilaya du pays en plus des lauréats du trophée de la saison. Dernière, le programme de ces joutes sportives prévoit le déroulement des épreuves de tir progressif, relais et tir de précision. La matinée sera consacrée aux éliminatoires dans les trois spécialités filles et garçons, alors que les demi-finales et finales auront lieu en soirée. Et on va préciser que ça se joue en doublette et en quadrette, c'est ça Exactement. Je crois que j'avais déjà vu ça à la télé. Et on va passer au tennis avec le tournoi des Masters de Shanghai. Et le serbe Novak Djokovic actuel, quatrième mondial au classement ATP, s'est facilement qualifié. Pour le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai après sa victoire de 7-0 contre l'Italien Flavio Coboli, Djokovic qui n'avait plus rejoué depuis US Open a été intouchable et a réussi tout ce qu'il a entrepris face à l'Italien de 22 ans qui n'a rien pu faire. Au prochain tour, le Serbe de 37 ans prendra le Russe Roman Safiulan et puis actuellement se joue les huitièmes de finale où le Russe Danil Medvedev mène 1-7-0 face à au grec Stefanos Tsitsipas, et puis dans quelques minutes, il y aura euh, le numéro 3 mondial Carlos Alcaraz qui affrontera euh, le français Gaël Memphis, le numéro 1 mondial Yannick Sinner qui s'est qualifié également pour le prochain tour en s'imposant de 7 à 0 euh, face euh, au, à l'américain Ben Shelton. et À midi 50, aura lieu euh, un beau match entre le belge euh, Daniel Goffin et l'allemand Alexander Zverev. Mais Merci beaucoup Rostom yahya et ce matin, est-ce que vous terminez avec une belle chanson Comme d'habitude, une très belle chanson, là, le dernier euh, single du, du chanteur and Bone Man, ça s'appelle Pocket. Et je précise que Rostom yahya vous le retrouverez tout au long du week-end dans Matin Sport.